Madrid et sa banlieue de nouveau bouclée. Confronté à une explosion du nombre de cas de coronavirus dans la région, le gouvernement espagnol a décrété le 9 octobre un état d'alerte dans la capitale et dans plusieurs villes voisines. Sans tarder, des forces de police et de la Guardia Civil se sont déployées sur les grands axes routiers pour contrôler les entrées et les sorties de la capitale. Je pense que c'est une bonne mesure, mais c'est un peu ennuyeux pour ceux d'entre nous qui doivent travailler. Je trouve ce dispositif un peu excessif, mais bon, quelles que soient les mesures prises pour nous sortir de cette pandémie, je les approuve. Concrètement, ce bouclage signifie interdiction de sortir après 22 heures et surtout interdiction de quitter la ville pendant 15 jours. Et à partir du 8 octobre, la région de Madrid comptait 723 cas de coronavirus pour 100 000 habitants, rapporte l'Organisation mondiale de la santé, soit le regroupement de cas le plus important d'Europe après la principauté d'Andorre.